Yo les potes, c'est Xerus, j'espère que vous allez extrêmement bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. On en avait fait une la semaine dernière, mais on en refait une car aujourd'hui on va ouvrir un coffret dresseur d'élite Tempête Argentée. Ça faisait longtemps. Donc voici le petit coffret qui est ma foi sympa. Donc on va l'ouvrir immédiatement. Par contre, je suis pas sûr d'avoir ciseaux ou un truc comme ça. Parce que bah, je vais essayer de l'ouvrir. Donc excusez-moi, ça va prendre un peu de temps. Il me faut quelque chose de coupant. Par contre, j'avais pas pensé à ça, donc désolé pour l'attente. Sinon, là, j'ai un truc pointu. Peut-être essayer. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon les amis, excusez-moi pour l'attente. On va immédiatement ouvrir ça. Oh, regardez-moi ça. Voilà. C'est bon, maintenant qu'on a retiré ça, on va pouvoir l'ouvrir. Et attention. Alors, je sais pas si vous saviez, mais en fait, ça là, le carton là, en fait, vous pouvez le détacher. Et à l'intérieur, en fait, il y a un petit poster. Bon, un petit. Peut-être un petit. En tout cas, il y a un poster avec plein de Pokémon à l'intérieur. Je l'ouvrirai tout à l'heure pour moi. Et donc voilà. Bon, on va immédiatement ouvrir le paquet. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas ouvert un d'ailleurs. Donc, les petits dés, d'hab, ils sont sympas, franchement. Marqueur d'état de santé. Marqueur Investar, je vous apprends rien si vous me regardez sur la chaîne depuis longtemps. Donc on va immédiatement enlever ça, attention. Donc les ça on s'en fiche. Les protège-cartes, ils sont trop stylés, regardez. Sympa. Les cartes énergie. Oh, il y a des. C'est vrai, les séparateurs pour ranger dans la carte. Des paquets de cartes. Un paquet de cartes énergie. Et à l'intérieur, 8 boosters. 8 boosters à l'intérieur. Donc, regardez-moi ça. Regardez la quantité de boosters, les amis. Donc, on va pouvoir bouger le paquet, la boîte, je veux dire. Donc, on va. Donc, c'est des boosters sur le truc Tempête Argentée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Et on commence immédiatement avec le premier booster. Et on espère avoir des V, des cartes V à l'intérieur. En tout cas, dans ce gaufret, parce que ce serait bien. Ok. Allez. On. Prends la petite énergie. Ok, énergie. Je vais faire un peu de place, je bouge ma manette. Oui, parce que j'avais fait récemment une vidéo gaming, donc roussible. Cryptero. Cryptero. Nosferalto. Nosferalto. Maskeyman, je crois que ça se prononce comme ça. Cornherbe. Fennec. Terral.
Balbuto, je l'avais pas su. Enfin, j'avais le Pokémon, mais pas le truc. Énergie régénérante en brillante. Et sympa en vrai. Et attention, la dernière. Et la dernière. Premier booster, les amis. Premier booster. Allez. Oh, si c'est ça, je pète un peu. C'est ça. C'est ça. C'est une V. Parce que là, il y a écrit règle V. Et c'est. C'est bizarre, elle est un peu argent. Elle est beaucoup argentée là. Normalement, les cartes, elles sont toutes noires. Non, sans deck. Oh, je sais ce que c'est. OOV, mais en. Trop stylé, regardez-moi ça, elle est trop belle. Je vous montre à la cam. Regardez-moi ça, en plus il y a un peu de côté argenté. C'est trop beau, c'est incroyable. On a notre première V, les amis. Premier booster, première V, franchement c'est incroyable. Bon. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? En tout cas, c'est le mystère de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, liker, vous abonner. Je le répète, je sais des fois je suis un peu énervant avec ça, mais bon, c'est pour soutenir la chaîne. Ça soutient énormément la chaîne. Et ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font, hein, comme d'hab. Ok. Énergie. Hypnomade. Oh, je l'avais pas celle-là. Archéopty, Archéopty, Serena, Relicanthe, Brutalibri, Togé des Marues, trop mignon, Chlorhuile. Mais j'ai trop la chance, j'adore Pikachu. Je vous l'avais dit en plus dans la dernière vidéo, j'adore Pikachu. Oh. Il y a Pikachu, il y a Raichu, il y a je sais plus là. En plus, on l'a. Togedamaru. Il est. Attendez, vous voyez mal, mais lui, il est juste là, là. Sur le côté, ici, là. Il est juste là. Regardez. Il est juste là. Oh, elle est trop belle la carte, je la garde. Alors, vous allez rire. Mais en fait, je viens de lever le truc. Et en fait, il y a une pierre scellée Silverest avec une puissance de star. C'est juste un objet en fait. C'est la moitié d'une carte de star collée à un objet. Oh, ça va, elles sont un peu collées, mais bon. Allez, dernière. Non! 2V. 2, je vous jure, c'est une V. Écrivez. Attention. Et c'est Brazegali qui rejoint la collection. 2V d'affilée. Bon, je mets L avec les V parce que c'est il y a écrit puissance V-Star, donc voilà. Je pense que vous avez compris. Mais j'ai giga de la chance aussi, j'ai eu Pikachu, j'ai eu 2V et un mi-objet, un mi-V-Star. Pour la première fois que je vois ça. En tout cas, ça m'étonne. Je savais pas que c'était possible. Un objet avec le bas de la carte d'une V-Star. Ok, allez, c'est parti. Troisième booster, les amis, tempête argentée. C'est parti. Ok, donc, on retire ça. Bien évidemment. Par contre, s'il y a une autre V, je pète un pont. Parce qu'on a eu deux V d'affilée. Allez, c'est parti. Énergie. Bayard, je l'avais pas. Altaria. Peter.
Ah, Peter, peut-être. Et Molga. Et Oko. Dapourail. Soporifique. Je l'avais pas non plus. Mimigal. Oh, je l'avais pas ce dessin-là. Tournegrin. Ok, en brillante. Et la dernière. Ah, c'est pas une brillante. Mais c'est Métalos en brillante également. Déjà, on a 2 V. Quelques brillantes. Une Pikachu. Pour vous, c'est pas important, mais pour moi, j'adore les Pikachu. Donc. J'ai même une collection de Pikachu. Donc. Donc, vous savez. Moi, les Pikachu. Quand il y a un Pikachu, j'adore. J'adore. Allez. On retire la carte avec le code, ça on s'en fiche. D'ailleurs, une petite chose, si jamais vous collectionnez les codes, tout ça, vous me le dites parce que si j'en ai plein. Et si vous voulez, vous me dites dans les commentaires si vous en voulez. Et j'en ai plein, en fait, je fais une vidéo où je vous montre des trucs comme ça. Vous pourrez récupérer des récompenses. Là, c'est Pokémon Échanger là pour le Pokémon Life. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et j'en garde de côté si jamais vous voulez que je vous en passe quelques-unes. Il n'y a pas de souci. Welland. Fenard. On dirait Kyubi dans Naruto. C'est Kyubi. Kaorin. Stylé. Nucleos. Levsor. Nosferapti. Je connaissais pas. Trompignon. Suivant. Bacabou. Neitram. Et le dernier. Encore. Encore. Non. C'est pas possible. On est au quatrième booster, je crois, c'est ça? Attends, il reste combien de boosters? 4? Oui, donc on est au quatrième booster. C'est la troisième V. C'est ça, c'est une V. Oui, c'est une V. Et c'est Urza King qui rejoint les V. C'est incroyable. Donc on passe au cinquième booster. Par contre, j'espère pas l'avoir. Enfin, je serais content, mais c'est bizarre quand même. Toutes les V d'affilée que j'ai, je sais pas si c'est de la chance. Ou franchement, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, c'est vachement bizarre. Tu sais, je mets ça là. Donc, 1, 2, 3, 4, on met là. Et voilà. Allez, c'est parti. Énergie. Wesh les gars! Un marqueur Vestar en carte. C'est le troisième que j'ai depuis que je fais ma collection, franchement. Franchement, c'est bizarre hein, en vrai. Attendez. Aéromite. Mais franchement, regardez le dos, c'est ça, mais j'avais même pas remarqué. Bon, le dos, j'avais remarqué, mais quand j'avais mélangé les cartes, enfin, quand j'avais mis l'énergie devant, j'avais même pas remarqué. Ok, allez, c'est parti. Marc. Lanturne. Ok. Tilton. Sucroquin. Petit coquin. Motisma. Fantirme. Goupix. Un des Pokémon les plus mignons. Pour moi, une TG et c'est Roussil, l'évolution de Fennec. En plus, on en avait une dans une précédente vidéo. Oh, trop stylé la TG, incroyable la chance qu'on a. Et la dernière, enfin, non, c'est pas une TG, mais c'est
Croco horrible. Oh, je l'ai en ex. Avant que ça se termine, j'en avais une en ex. Oh. C'est marrant de le retrouver. Allez. On passe au. Sixième booster, excusez-moi, j'avais un doute. Voilà. C'est parti pour le sixième booster. On est à 3V, je crois que c'est ça. Oui, 3V. Un semi-objet, semi-Vesta. Avec une TG. Donc. Par contre, si on a une quatrième V, je pète un câble. 1, 2, 3, 4 points. Et c'est parti. Énergie. Draco. Oh. Donphan. Ok. Meios, l'évolution de Nucleos. Je connaissais même pas. Je connaissais Nucleos, mais pas son évolution. La pourraille. Ah. Soporifique en double, Mimigal en double, Tarsal, Cradopo, Nosferapti en brillant, ok, et la dernière, non, ce sera pas une V, mais Lansaurien, que je ne connaissais pas non plus, que je ne sais pour la première fois que je l'ai. On met les boosters sur le côté. Et on passe à l'avant-dernier booster, le septième booster. Et par contre, c'est incroyable les V que j'ai. Surtout que ma précédente vidéo, j'en avais eu quelques cartes, pas mal de cartes spéciales. Donc. Ah, c'est énervant hein, quand ça veut pas sortir. Ah voilà. On retire ça. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie. Mistigri. Dresseur d'arène. Ah, ça glisse. Kirlia, Tournegrin, ok. Fampi, oh, je l'avais pas. Je connaissais même pas ce Pokémon. Oui, Messire. Vorastéri. Feu Forêve. Et Sonistrel. Et la dernière. Non, ce sera pas. C'est pas une V, mais vous savez que j'aime bien Dracaufeu. Il ressemble à Dracaufeu, hein, Dracoulos, hein, on est d'accord. Je pensais même pas l'avoir un jour. Incroyable. Franchement. Je suis super content. J'ai plein de V. Allez, on passe tout de suite au dernier booster. Donc c'est parti. Je suis désolée, la plupart de la vidéo, c'est moi qui essaie d'ouvrir ces boosters. Je suis désolée en tout cas. Mais... En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on espère une V. En tout cas, s'il n'y en a pas, bon, c'est pas grave après tout. Mais en tout cas, on en espère quand même pour le dernier booster, ce serait bien. Allez, énergie, fossile inconnu, je l'ai. Énergie garde V. Oh, pas mal, je ne connaissais même pas cette énergie. Matoufeu. Je vous montre un peu plus, excusez-moi. Fatiam, Motisma,
Goupix, Emolga, que j'ai déjà, Eoko, Fossile Inconnu, j'ai exactement la même, non, exactement le même booster, c'est génial. Bon, celle-là, elle est imbrillante, donc allez, la dernière. Oh, ce sera pas une V malheureusement, mais c'est Charmina en brillante, donc je vais... Excusez-moi, voilà, elle est juste là. Donc, résultat bah, de ces de cette ouverture, nous avons 3 V, une TG et une, je sais pas ce que c'est, V-Star, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une rare. Il y a une étoile, donc tiens. Bon, les potes, on va se laisser là. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez, liker, commenter, partager la vidéo. À vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. Ça fait extrêmement plaisir. On rush les 200 abonnés. Ça monte très, très rapidement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bah, je vous dis, c'était Xerus. Ciao!